Mesdames, Messieurs, nous sommes très reconnaissants de votre sympathique attention accordée sur nos antennes. Bon début de la semaine à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue en cette grande édition du journal à la une de l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a fait savoir dans son communiqué que la liste provisoire de candidats retenus à la présidentielle connue entre le 18 et le 19 octobre courant et la liste définitive le 18 novembre, soit quelques heures avant la campagne électorale, a contacté à ces sujets le président fédéral de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemi, Bonheur Makelele, a précisé qu'il est nécessaire de laisser la centrale électorale bien faire son travail. Il est ici au micro de Georges Dupont d'Aigustenaire. On parle déjà d'une liste définitive. Donc, c'est comme si toutes les étapes sont déjà franchies, que ce soit les recours à la Cour constitutionnelle. Et c'est à ce moment-là que la Cour doit maintenant. C'est comme si la Cour avait déjà notifié les candidats concernés, soit les candidats disqualifiés ou soit les candidats retenus. Donc, il me dit qu'il y aura des désordres, je ne pense pas. Vous savez que la CENI, c'est une institution indépendante chargée de l'organisation des élections. Donc, si la vie que c'était une meilleure façon de faire les choses, nous, en tant que politique, on n'a pas quelque chose à reprocher. Donc, les conséquences, je ne pense pas, parce qu'il y a une loi qui est là, que tout le monde doit respecter, la loi électorale. Il y a les conditions pour être éligible, il y a des conditions pour être électeur. Tout ça, si quelqu'un a respecté ça, sa candidature sera retenue. Si il n'a pas respecté l'une de ces conditions, je ne pense pas que sa candidature doit être retenue. Et cela ne peut pas être une occasion pour que le pays se plonge encore dans une crise politique inutile. Toujours dans le même chapitre, l'observateur politique Eri Mirindi Eric a, durant l'interview accordée à Georges d'Aigustenaire, placé un mot quant à ces processus électoraux qui, selon lui, auraient l'intention d'écarter certaines figures considérées, entre guillemets, dangereuses pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Je me rappelle de ce que dit le professeur Tshibankala quand il parle de la démocratie, de la copropriation, c'est-à-dire qu'on vous donne un certain niveau d'indépendance, mais entre-temps, on ne vous laisse pas complètement indépendant. Tout ça fait penser à quelque chose du genre stratégique. On ne peut pas donc publier les listes provisoires à la veille ou du moins dès le début de la campagne électorale sans avoir aucune pensée derrière sa tête. À ma connaissance, je pense que cela a été fait pas de bonne foi, parce que tant qu'on ne sait pas que vous êtes retenu, vous serez aligné parmi les candidats qui doivent entrer en liste. Vous ne connaissez pas comment vous préparer. Donc, c'est, à ma connaissance, c'est une façon de mettre dans les possibilités certaines pistes, certaines personnes sont mises dans l'impossibilité de pouvoir préparer leur campagne électorale. Imaginez-vous, lorsque vous attendez, vous ne faites qu'attendre que la liste définitive soit proclamée pour que vous sachiez si vous êtes retenu ou pas. Tant que cela n'est pas fait, vous ne vous préparez pas, vous aurez besoin de t-shirts, vous aurez besoin de chapeaux, vous aurez besoin de tout ce qui est logistique pour débuter votre campagne. Donc, je pense que ça, on ne peut pas en être très loin de la stratégie. L'impact sera de deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les candidats qui n'aura pas été retenu définitivement après l'affichage définitif de la Cour constitutionnelle n'aura plus autre voie pour introduire sa recours, je veux dire son recours, parce que les jugements rendus par la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Donc, sportivement, il pourra dire c'est fini pour moi. Sur le plan politique, du moins si vous voulez, sur le plan sociologique, un candidat dont on aura été bien informé qu'il est partant
pour cette élection, du moins sur le plan présidentiel, qui finalement n'est plus retenu par la Cour constitutionnelle, sur le plan politique, sur le plan sociologique. Le reste des résultats qui aura été rendu reconnaissant tel comme candidat retenu à la présidence de la République n'aura pas eu vraiment à 100% la légitimité de son pouvoir. Au regard des accidents qui ne cessent de se produire ce jour à Calémie, le porte-parole de la synergie des associations de motocyclistes de la province du Tanganyika, Mukubito Chomachoma, a au cours d'une interview fustigé le comportement de certains conducteurs des engins roulants, surtout les motocyclistes qui ne respectaient pas le code de la route. Ce dernier demande aux autorités provinciales de leur procurer de moyens pouvant leur permettre de matérialiser leur mission de protéger la population. Nous, en tant que synergie des motocyclistes, nous, en qualité de synergie des associations de motocyclistes, nous condamnons fermement les comportements des motocyclistes qui roulent chaque fois à vive allure. C'est cet excès de vitesse qui est à la base des accidents à Calémie. Et aussi, les motocyclistes ne respectent pas le règlement routier. C'est pourquoi nous appelons le motard à respecter le code de la route. Nous, à notre niveau, en collaboration avec la Sainte-Père, nous faisons le recyclage des motocyclistes. Parce que les motards naissent chaque jour comme des champignons ici à Calémie. Et ces motards qui naissent ne respectent pas des normes parce qu'ils ne sont pas recyclés. Nous, les structures de motocyclistes, nous n'avons pas de moyens pouvant nous permettre à recycler chaque fois les nouveaux motocyclistes. C'est pourquoi nous continuons toujours à demander une aide au gouvernement provincial pour qu'on trouve des moyens qui nous permettront à recycler les motocyclistes qui naissent chaque jour à Calémie. Si possible, il y a que tout ça il dit. Tout pas tata masal moi évite tout pas na ba malimu. Tu na quoi tu na formé ba le ba montar baigné ba na cou. Et de son côté, le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle, Jérôme Ndabangui, promet quant à lui d'initier à nouveau les procédures de recyclage de motocyclistes, les processus bien sûr pour réduire le taux d'accidents qui ne cesse de s'intensifier sur les routes de Calémie. Toutefois, Jérôme Ndabangui a éclairé les conducteurs des engins roulants de bien respecter les normes de circulation routière, en l'écoutant. La Commission nationale de prévention routière, CNPR, service technique du ministère des Transports, voies de communication, ayant pour mission de proposer au gouvernement la politique qui touche à la sécurité routière, met en application les dispositions prises par le gouvernement tant national que provincial. Nous avons aussi déploré les mêmes cas comme vous, étant aussi habitants de la même ville de Calémie. À notre niveau, nous sommes censés prendre des dispositions et proposer même des mesures qui peuvent subvenir ou répondre tant soit peu à les préoccupations qui vous a aussi prises et qui doit aussi donner un ouf de soulagement à notre population. Entre autres, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces cas d'accidents qui commencent à devenir vraiment une insécurité sur la voie publique puissent être éradiqués à un pourcentage qui peut aussi soulager notre population. Nous, la CNPR, nous avons toujours eu à donner des propositions comme dans les mois passés et les mois écoulés, les quelques mois écoulés, nous avons initié une formation en code de la route qui est le recyclage, qui malheureusement, malgré la participation des quelques automobilistes, quelques conducteurs, nous avons constaté que le pourcentage de participation n'était pas vraiment à 80, même à 75%, du fait que nous avons aussi déploré parfois aussi ce que nous pouvons appeler l'influence, que
l'appui, surtout en ce qui concerne les contrôles systématiques pour ceux-là qui ne veulent pas se faire recycler. L'ivresse au volant est parmi les causes, mais la principale d'abord c'est l'excès de vitesse. Nous avons toujours souligné que notre ville de Calémie n'a qu'une seule route principale qui est jusqu'à présent praticable, qui est le boulevard Lumumba. Le nombre d'engins est en train d'accroître du jour au lendemain. Et surtout aussi que le nombre des conducteurs, bon, ceux-là qui s'appellent conducteurs, parce que pour nous, c'est lui que nous pouvons appeler conducteur, c'est lui que nous avons formé, c'est lui qui est habilité à avoir aussi un permis de conduire, qui nous déplorons souvent que lorsqu'il passe au service qui délivre les tenaliers provinciales des permis de conduire, il semble qu'il n'y a pas vraiment un contrôle sérieux qui peut repousser même certains candidats à avoir leur permis, qui doivent d'abord suivre une formation. Donc, le grand message, c'est que la vie humaine, elle est sacrée, comme nous disons toujours, et les cas d'accident, il y a des cas qui sont évitables, que ces cas peuvent être évitables si les usagers de toute catégorie suivent ou mettent en application ce que nous leur donnons comme consigne, comme conseil, comme prévention pour être en sécurité sur la voie publique. Autre chose à présent, mesdames, messieurs, malgré les multiples dénonciations déposées auprès des autorités politico-administratives par le chef de l'avenue Kalumbi 2, le motocycliste continue à ériger un parking informel sur la route qui mène vers l'avenue Kalumbi 2, toujours en face du marché réfugié, dénommé bien sûr réfugié, situation que déplore le chef de cette avenue. Céline Seloa Kolongo revient sur les détails. Dans le quartier Katakide, plus précisément sur l'avenue Kalumbi 2, depuis quelques temps, les motocyclistes se sont installés au milieu d'une route et transformant ces lieux en parking de circonstance, une réalité qui crée souvent des embouteillages aux heures de pointe, rendant cet endroit très dangereux pour le piéton. Le chef d'avenue, qui nous relate les efforts déjà fournis pour évacuer cette parking, se trouvant sur l'avenue Kalumbi 2. Tami, nous qu'on a regretté, diamant et le parking. On a eu selon si. Je ne sais quoi faire car je tout fais. Toutes les procédures que j'ai pu entreprendre pour évacuer ces parkings en ces lieux n'ont abouti à aucun résultat escompté. Et c'est même après avoir fait rapport à la hiérarchie. Les gens sont ici, courent un grand danger, car chaque jour, on se dispute avec les motocyclistes. Et d'ailleurs, auparavant, ce parking n'existait pas, car lors d'un accident, ce sont ces habitants qui viendront encore me voir afin que j'alerte encore les autorités. Chef de quartier, anandika nani ma rapport. Anapeleka ku commune. Manake dossier na inakwamia mimi naweza kusema ni ku commune, naweza kusema vérité. L'inefficacité de mesures prises par le chef d'avenue est due par manque de dispositions d'accompagnement des services attirés. Et le crocodile qui apparaît au bord de la rivière Lukuga ne cesse de causer des dégâts dans les chefs des habitants de la ville de Calémie, particulièrement ceux qui fréquentent cette rive. Le chef de l'avenue Kalumbi 2, Yuma Mapamba Augustin, a informé ce lundi qu'une femme âgée d'une trentaine d'années a été mordue par ce crocodile. L'événement a eu lieu le dimanche 15 octobre 2023. Et vu l'ampleur de la situation, Yuma Augustin demande aux autorités politico-administratives de vouloir prendre des mécanismes usant à arrêter ce reptile. On l'écoute. Manake mambo ya mamba, puisque jana il quoi dimanche, il quoi kurenyo, bon chef de bloc wangu ndiye nikalaka kule kulukuga. C'était hier dimanche que mon chef de bloc, lui qui habite non loin de la rivière Lukuga, m'a informé par téléphone qu'un crocodile a mordu une femme d'une trentaine d'années. C'est un géant crocodile. Cette femme a été mordue par ce crocodile au niveau de la cuisse. Mais la dame a eu la vie sauve grâce aux habitants de l'avenue Kalumbi 2 qui ont jeté de pierres sur ces crocodiles. C'est ainsi que ces reptiles a fui. Alors de ma part, en tant que chef de l'avenue, j'ai déjà informé le chef de quartier et celui-ci est allé voir le bourgmestre. Les experts nous disent que ces crocodiles appartiennent
à une personne qui l'utilise. C'est pourquoi nous, en tant que chef de l'entité menacée par ces reptiles, nous irons voir le maire de la ville, des Kalemie, pour qu'il mette en place des moyens visant à arrêter ces crocodiles. Aina maana mamba ikale pale katikati ya mugini koko mtu njoo mwiko na mfu na njoo hivi na najitahizi leo magharibi tauza mapile kisha kuza mapile kwa ginsi nilalamike kwa ginsi yule mwenye na mamba amweke nasikia me ile mamba kweli naona kama iko na mtu. Et pour terminer, la suppression du visa entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda reste l'information à la une de médias quinois paru le matin de ce lundi. Mesdames, Messieurs, écoutez les timbres vocaux de Melchior Katontolokolo pour la lecture de la revue de presse. Les journaux parus ce lundi 16 octobre à Kinshasa salue la suspension des visas entre la RDC et l'Ouganda et le renforcement de la coopération entre la RDC et la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, revue de presse. Au cours de la 8e session ordinaire de la Grande Commission mixte tenue à Kinshasa du 12 au 15 octobre, informe l'avenir, la RDC et l'Ouganda ont convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Les deux parties ont reconnu que la géographie, la culture et l'histoire commune leur imposent des obligations, particulièrement en matière de concertation permanente pour l'intérêt de leurs peuples respectifs, explique le quotidien. Par ailleurs, renchérit le potentiel, la RDC et l'Ouganda ont examiné les questions liées à la sécurisation et à la démarcation des frontières communes, à la coopération militaire et sécuritaire, à la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux pays, à la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, au rapatriement des réfugiés, à l'administration publique, à la coopération décentralisée entre les entités territoriales décentralisées frontalières entre eux. Les deux parties ont, en plus, discuté de l'état de la coopération dans les domaines du commerce, de la fiscalité, selon les tabloïds. Banque mondiale, RDC, c'est un autre sujet à la une des journaux à Kinshasa qui porte sur la coopération entre la RDC et la Banque mondiale. Au cours de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenue du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech, au Maroc, rapporte le potentiel, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a passé un message clair, c'est celui de la consolidation du nouvel élan en cours en République démocratique du Congo. Ce nouvel élan est marqué par des efforts d'assainissement et d'amélioration de la gouvernance économique et politique. Dans la foulée, poursuit le journal, Kinshasa et la Banque mondiale émettent sur la même longueur d'onde sur le fait que l'avenir de la République démocratique du Congo réside dans la diversification de son économie. Il s'agit d'une nécessité qui est bien prise en compte par les gouvernements de la RDC et mise déjà sur des actions qui promettent les secteurs porteurs de croissance. En marge de cette rencontre, signale la prospérité, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, s'est entretenu avec Nicolas Kazadi sur les besoins de financement en RDC pour la diversification de l'économie, les infrastructures et plus particulièrement la construction du barrage d'Inga qui impactera les secteurs prioritaires et l'industrialisation du pays dans l'agriculture et l'économie verte. Lors de cette rencontre, Ajay Banga a salué le partenariat de son institution avec la RDC. Pour lui, précise le quotidien, l'investissement au barrage d'Inga est capital. À cet effet, il a salué la loi y afférente en préparation qui facilitera les prochains développements. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Les gens écoutent la moitié, comprennent un quart et racontent le double. Mesdames, Messieurs, c'est à la fin de cette édition du journal. Merci à Castro Kalinda qui a été à la réalisation et surtout à vous de nous avoir suivis. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour un nouveau journal. Restez, à très bientôt.